بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، عزيزاتي الطالبات، سأتابع معكم السلسلة 04 حول التكاملات المعممة أو ما يسمى بـ les intégrales généralisées. Déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes. La nature d'une intégrale généralisée. Déterminer la nature d'une intégrale généralisée, c'est-à-dire tout simplement dire est-ce qu'elle est convergente ou bien divergente. Exercice 1, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur x carré dx. Exercice 2, l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur racine carré de x dx. L'exercice 3, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle x dx. Et l'exercice 4, l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x facteur de x plus 2 dx. Avant de commencer, je vais voir la forme des intervalles sur lesquels nous allons étudier la nature des quatre intégrales citées dans l'exercice. Ici, l'intervalle c'est 0 plus l'infini, 0 ouvert. Ici, l'intervalle c'est 0 plus l'infini, avec 0 ouvert. Ici, l'intervalle c'est 0 fermé plus l'infini. Ici, l'intégrale c'est moins 1, 0. Moins 1, c'est fermé ici. Pourquoi? Parce que le dénominateur ici de cette fraction rationnelle ne s'annule pas en moins 1. Ici, le problème ici, c'est en 0, parce que le x ici, il s'annule en 0. Et le facteur ici, x plus 2, il s'annule pour x égale à moins 2. Moins 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc le seul problème qui existe de convergence, c'est en 0. Ici, en plus l'infini. Ici, en 0 et plus l'infini. Ici, en 0 et plus l'infini. Les solutions. Premièrement, la fonction qui a x associé 1 sur x carré, elle est définie et continue sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et par suite, elle est continue sur tout intervalle, comme j'ai dit tout à l'heure, de la forme A, B fermé, avec A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à A, inclus dans 0 plus l'infini. Donc, l'intégrale de 0 plus A plus l'infini est égale à la limite de l'intégrale de A à B. Je vais faire tendre A vers 0 plus et B vers plus l'infini. De 1 sur x carré dx, c'est facile à calculer. La primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x entre A et B. Donc, ça me donne limite quand A tend vers 0 plus et B tend vers plus l'infini. De moins 1 sur B plus 1 sur A. Quand A tend vers 0, quand A tend vers 0 plus ceci, tend vers plus l'infini. Et quand B tend vers plus l'infini, cette expression, ou bien cette fraction, elle tend vers moins 0, donc ça donne plus l'infini. Et par suite, l'intégrale, elle est divergente. Ensuite, deuxièmement, la fonction qui a x associé 1 sur racine carrée de x, elle est définie et continue aussi sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Et par suite, elle est continue sur tout intervalle fermé et borné AB avec A strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à B inclus dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Je passe au calcul de l'intégrale. Donc l'intégrale de 0 plus A plus l'infini de 1 sur racine carrée de x dx est égal à la limite quand A tend vers 0 plus et B tend vers plus l'infini de l'intégrale de A à B de 1 sur racine carrée de x dx. Je peux faire maintenant, je peux aussi calculer en utilisant la relation de Schall. C'est la même chose ici. Donc finalement je calculerai la limite quand A tend vers 0 plus et la limite quand B tend vers plus l'infini. Donc, une primitive de 1 sur racine carrée de x,
c'est 2 racine carrée de x entre a et b. Donc ça donne la limite de 2 racine carrée de b moins 2 racine carrée de a avec a tend vers 0 plus et b tend vers plus l'infini. Quand b tend vers plus l'infini, ça, cette expression-là, ça tend vers plus l'infini. Et quand a tend vers 0 plus, ceci tend vers 0. Donc ça me reste plus l'infini. Donc l'intégrale est divergente. Troisièmement, la fonction qui a x associé exponentielle x, il est continue sur l'intervalle donné, 0 plus l'infini. Et en particulier, sur tout intervalle fermé et borné, 0 à d'origine 0 et d'extrémité A, inclus dans l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle x dx est égale, je pose ici A, et je vais faire tendre A vers plus l'infini. Comme vous voyez, une primitive de l'exponentielle x est elle-même. Donc, entre les bornes, A est 0, donc ça donne exponentielle A moins exponentielle 0, c'est 1. Avec la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc l'intégrale est divergente. Quatrièmement, la fonction qui a x associé 1 sur x facteur de x plus 2, elle est continue sur l'intervalle donné, moins 1, fermé, 0, ouvert. Remarquez bien que x plus 2 s'annule au moins 2 et moins 2 n'appartient pas à cet intervalle. Donc le moins 2 ne cause pas de problème de convergence. Il est à l'extérieur de cet intervalle. Et par suite, il est continu sur tout intervalle fermé et borné d'origine moins 1 et d'extrémité A inclus dans l'intervalle moins 1 fermé 0 ouvert. Je passe maintenant au calcul de l'intégrale. L'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur x facteur de x plus 2 dx est égale à la limite qu'on attend vers 0 moins de l'intégrale de moins 1 à a de 1 sur x facteur de x plus 2. C'est une fraction rationnelle. Je la décompose en éléments simples. Vous devez connaître la méthode, donc j'obtiendrai 1 demi facteur de 1 sur x moins 1 sur x plus 2, le tout dx. Le 1 demi, c'est une constante, il sort ici à l'arrière de l'intégrale, et d'après les propriétés des limites aussi, il sort ici derrière la limite. Donc j'obtiens 1 demi limite qu'on attend vers 0 moins une primitive de 1 sur x, c'est logarithme népérien de la valeur absolue de x, et puisque j'étudie sur cet intervalle, donc x elle est négatif, ça donne moins x moins logarithme népérien les x de x plus 2 avec valeur absolue. Ensuite, puisque j'étudie sur cet intervalle, donc ça donne, c'est positif, et ça donne x plus 2 avec des parenthèses. J'obtiens entre moins 1 et a, par suite, ça me donne 1 demi limite fois limite qu'on attend vers 0 moins, je remplace par a, logarithme népérien de moins a, moins logarithme népérien de a plus 2, moins logarithme népérien de moins moins 1 c'est 1, ça donne 0, plus moins moins ça donne plus logarithme népérien de moins 1 c'est 1 c'est 0, donc il me reste cette expression avec la limite, ça donne moins l'infini. Ou bien si je laisse ici la valeur absolue, j'obtiendrai la même valeur. Donc l'intégrale elle est divergente. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظر اقتراحاتكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم. J'attends vos remarques, vos suggestions. Au revoir.
dans une autre série d'exercices, toujours sur les intégrales généralisées. Cette fois, je donnerai d'autres théorèmes sur les intégrales généralisées.